Yo les potes, c'est Davy, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo ne commence, toi derrière ton écran, n'hésite pas à liker et partager à tes amis. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, c'est très très important. Et bah mets la cloche des notifications, comme ça tu reçois toutes les notifications, les prochaines notifications de mes prochaines vidéos, voilà. Donc les amis, aujourd'hui je suis un peu dégoûté, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai voulu faire une vidéo aujourd'hui, bah, j'en avais déjà fait une tout à l'heure, d'ailleurs je compte sur vous pour aller la liker et la regarder, et puis voilà. Et là en fait je voulais faire une vidéo sur Pet Simulator, mais le gros problème, parce qu'aujourd'hui en fait le créateur de Pet Simulator a créé, bah en fait a fait des nouveaux pets sur ce jeu. Pet Simulator, en fait, je vais vous expliquer. En fait, c'est un jeu de simulateur, en gros. Vous récoltez des pièces, vous ouvrez des nouveaux mondes. Grâce aux pièces que vous avez récoltées, vous pouvez ouvrir des œufs et tout. Et ce jeu, il est juste trop cool. Avant, j'y jouais beaucoup, j'étais accro à ce jeu. Et qu'est-ce que je vois? Alors, écoutez-moi bien. Je clique, alors Roblox, oui, en ce moment, il est en train de bugger. Donc je sais pas ce qui se passe avec Roblox. Alors quand je clique sur, comme je vous dis, Pet Simulator, quand on clique sur Pet Simulator, on ne peut plus jouer à Pet Simulator. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. On ne peut plus jouer à Pet Simulator. Alors qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai pas envie que le jeu reste bloqué trop de temps non plus, parce que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Je l'ai mis dans mes jeux préférés, mes jeux favoris, voilà. Mais je ne peux pas jouer. Alors il y a un panneau, un petit panneau jaune, donc nous allons traduire tout ça parce que moi je ne sais pas traduire l'anglais. Donc nous allons sur Google Traduction, c'est parti. Donc les amis, vous n'avez pas la vidéo quand je vais sur Google pour traduire tout ça, mais effectivement il y a un problème avec Roblox. Et donc le créateur de Pet Simulator ont décidé de fermer le jeu, et du coup j'espère qu'ils vont l'ouvrir très très bientôt, parce que moi j'adore ce jeu, comme je vous dis les amis, c'est un de mes jeux préférés. Donc j'ai pas envie qu'ils arrêtent tout de suite, enfin j'ai pas envie que le jeu soit bloqué pour toujours. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, c'est une fin de vidéo je suis très triste les amis de ne pas pouvoir aller sur ce jeu pour voir la nouvelle mise à jour. Je suis vraiment déçu. J'espère qu'ils vont réparer ça très très vite les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Davy. Ciao, bye les potes.